Alors, bonjour à tous et à toutes. Oh là là, je sens que mon plan, il est téméraire. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que je n'ai encore jamais faite depuis que je suis arrivée en Corée, à savoir un jour avec moi en Corée, à parler coréen, à vivre coréen, à entendre la Corée respirer. J'ai l'impression de faire un documentaire météo. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Hey, aka부터 널 봤어. Alors en fait, je voulais trop vous faire cette vidéo parce que depuis que je suis arrivée en Corée, moi mon challenge, c'est de me confronter le plus possible à la vie quotidienne. Il y a vraiment un monsieur qui avait commencé à prendre ma route, il a vu que je filmais un vlog, il m'a évité. Genre les Coréens sont hyper respectueux des gens qui prennent des vidéos ou des photos, c'est dingue. Alors moi c'est ça mes masques JPP. Je suis obligée de prendre des masques pour enfants. C'est quel Vida Loca. Mais du coup je vais avoir un petit bonhomme. Wesh. Ouais. Allez, comme ça, Nida. Voilà. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au marché. Pas au marché. On va passer par le marché pour aller à mon café préféré de là où j'habite. Ça, ils vous le donnent dès que vous commandez. En fait, c'est une espèce de beeper. Dès qu'ils préparent votre boisson, ils vous en donnent un. Et quand c'est fini, ça bip, vous allez le chercher, tout simplement. Alors aujourd'hui, il n'y a pas ma serveuse préférée au monde, mais sachez que je l'aime trop. Genre vraiment, il y a une petite dame qui travaille ici, que je vois très souvent, qui est adorable, genre un petit amour. Elle fait du serviceux, c'est-à-dire qu'elle me rajoute parfois des petits trucs, des petits cadeaux. Je l'aime d'amour. Je pense que je vais lui acheter un cadeau avant de partir. Du coup, j'espère que j'aurais pu vous mettre la traduction quand j'ai commandé en même temps de ce que je disais. Alors du coup, ça, je le prends à chaque fois, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est une sorte de pâte sablée avec du chocolat à l'intérieur. Alors, à savoir, je me fais pas des déjeuners de star comme ça tous les matins. Que nenni. Là, c'est parce qu'aujourd'hui, je compte faire pas mal de choses et je voulais venir dans mon petit café avant de bouger. Du coup, petite leçon, pour commander un café, vous dites d'abord le nom de la chose que vous voulez, ou à boire de manière générale. Vous dites le nom dont vous voulez la proportion, et vous rajoutez toujours le chuseo à la fin qui veut dire s'il vous plaît. Et quand vous savez que vous allez commander autre chose après ça, vous pouvez même faire la bilingole à dire hanarang, ça c'est Lou qui l'a appris, ce qui veut dire et puis, et vous commandez ça. Ça veut juste dire quelque chose derrière que vous allez commander. Ou alors vous pouvez dire que les gros. Un premier conseil que je donnerais à des personnes qui veulent venir en Corée du Sud mais qui baragouinent vraiment que quelques mots comme moi, c'est de ne pas avoir peur et d'oser parler. De toute manière, les Coréens, pour la plupart, grosse généralisation hein, bien sûr, ne parlent pas très bien anglais. Donc si vous pouvez leur parler coréen, ils seront trop contents. Donc je sais que c'est facile à dire, mais c'est pour ça aussi que je vous dis, moi je me confronte tous les jours, enfin j'essaie le plus possible de me confronter à la vie usuelle coréenne pour me débloquer et pour sortir mes petites phrases. Mais dans tous les cas, n'ayez pas peur, ils vont pas vous juger les frérots, ils seront juste trop contents que vous parliez coréen. Et il y a toujours un moyen de compréhension. C'est-à-dire que là, la dame à un moment, elle m'a dit, ouais, est-ce que vous avez une carte coupon de réduction? Je comprenais pas, elle m'a montré la carte avec. Aller aux toilettes pour femmes, yoja. Il y a toujours des petits codes et souvent les toilettes en Corée sont en dehors de l'endroit où vous êtes.
Bon, du coup, j'ai fini par noter 12 musées. Alors, je sais qu'il y en a qui sont fermés, il y en a qui sont payants très cher, donc faut que je vérifie ça. Et aujourd'hui, je vais essayer de voir pour faire peut-être le Musée National de Corée et celui-ci, parce qu'en fait, ils sont sur le même site. Et d'ailleurs, pour cette vidéo, du coup, où je parle Corée, où je vis Corée, je suis très 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 heureuse de vous proposer un sponsor d'exception, à savoir Rosetta Stone. Attention, Rouliette devient professionnelle dans le 3, 2, 1... Re-coucou. Aujourd'hui, je suis très très heureuse de vous proposer cette vidéo en collaboration avec l'application Rosetta Stone. Si vous me suivez depuis assez longtemps sur ma chaîne, vous savez que ça fait depuis belle lurette que je connais cette application. Et je ne peux être plus heureuse aujourd'hui que de l'avoir autant en pratique dans mon quotidien en Corée du Sud pendant ce voyage. En effet, Rosetta Stone, c'est une plateforme d'immersion pour apprendre une langue ou même plusieurs. À savoir au choix, il y en a 24, dont le japonais, le vietnamien, le chinois et bien évidemment le coréen. Ce qui diffère grandement avec l'application, contrairement à certaines autres applications d'apprentissage de langue ou même les manuels que j'ai pu utiliser par exemple, c'est qu'on va pas juste venir vous apprendre des leçons de vocabulaire ou des leçons grammaticales, orthographiques de la langue pour les recracher juste comme ça. Il s'avère que la méthode d'appropriation et d'absorption, si je puis dire, de la langue repose sur cette idée d'immersion totale où vous allez la voir, la lire, l'écrire, la parler, l'entendre continuellement lors de votre apprentissage. Vous allez également beaucoup passer par l'oral en récitant des mots, des phrases que vous allez voir et apprendre pendant les exercices, ce qui constitue, en mon sens, le concept le plus intéressant en fait de l'application Rosetta Stone. En effet, en apprenant sur base papier, ce qui peut très vite manquer lorsqu'on est en autodidacte, c'est d'entendre, de parler ou de pratiquer la langue, car une grosse partie de la compréhension de celle-ci passe par l'oral. Ici alors, avec l'outil de reconnaissance vocale de Rosetta Stone, vous n'êtes plus isolé en fait dans votre apprentissage. Depuis que je suis en Corée du Sud, je comprends vraiment l'importance de voir, de pratiquer, d'entendre la langue tous les jours. Je lis plus vite, je comprends plus vite, parce que je baigne dedans en permanence. Du coup, je suis vraiment trop contente d'avoir à ma disposition l'application Rosetta Stone quand je vais rentrer de France, parce que je vais pouvoir continuer cet apprentissage du coréen avec en fait une Corée quasi fictive à travers l'application. Donc c'est bien d'avoir ce lien en fait, si je puis dire, de continuité en France quand je n'entendrai plus au quotidien le coréen. Enfin, pour finir sur une très bonne note, grâce à mon lien que vous trouverez en description, vous avez moins 50% sur l'offre Lifetime pour apprendre la langue dont vous rêvez. Là où vous auriez payé à l'origine 349€, grâce au lien, vous n'avez plus que 174,50€ à payer et c'est une offre à vie, pour toujours, où vous pouvez apprendre les 24 langues disponibles si vous en avez envie. Je vous laisse aller checker par vous-même le lien qui est en description, soyez curieux ou curieuse, et je vous souhaite un bon retour à la vidéo. Est-ce que je vais récupérer des sous sur ma carte ? 100 vols ! À savoir, en Corée du Sud, quand vous prenez le métro, suivant une certaine distance, je n'ai jamais compris comment, du pourquoi, vous récupérez des sous sur votre carte. C'est jamais énorme, genre là par exemple c'était 70 centimes, mais ça fait toujours plaisir. Allez, il est l'heure de rejoindre la copine Audrey pour aller faire les deux petits musées. Oh ! C'est trop joli ! Alors apparemment il y a un petit chemin pour aller au musée par les bois. Je suis fan des bois. Vous avez vu ma dernière aventure pour aller à Namsan. Je réitère. Sengang namu. Namu, c'est arbre. Namu. Sengang, je pense que c'est une sorte d'arbre. Ça fait très Tim Burton. Très les noces funèbres.
This is Halloween, this is Halloween. Ah, mais c'est pas les notions funèbres, ça. Oh, mais que voilà-je. Un autre arbre, Gulpinamu. Vous êtes un Gulpinamu? On dirait le nom d'un Pokémon. Et je viens de faire une petite réflexion, là, parce que je réflexionne beaucoup dans ma vie. Il fait pas beau, aujourd'hui. Vous savez ce que ça veut dire quand il pleut et qu'il y a des musées? Les gens sont dedans. So beautiful. Japonais. Oh, normal japonais. Oh my god. Wouah, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Ça, c'est la Namsan, juste à côté de la Tour Eiffel, bien sûr. Alors du coup, non seulement on peut avoir des dépliants en français, mais l'entrée est gratuite pour le parcours basique, hein, bien sûr. Mais même l'intérieur, c'est beau, quoi. On fait au feeling ou... Bon, je pense qu'on fait juste le tour, hein. Ça fait 2 heures qu'on est dans le musée, on vous avoue qu'on sature un peu. On vous avoue que là, les dernières salles se font au coup d'œil. Au moins, on les aura toutes faites. Du coup, on vient de finir le musée. Je vous montre ma tête en deux spies. Hop là, fatiguée. En fait, le premier étage est assez intéressant parce que c'est très bien expliqué, etc. Mais après, le problème, de mon point de vue, ça m'a pris mon âme. Mais bon, je pense que c'est un pas à faire quand vous venez en Corée. Heureusement que j'étais accompagnée de ma fidèle compagne. Je n'ai même plus la force de parler, ni d'articuler. Et pourtant, il faut qu'on fasse le deuxième musée. C'est par où? On sait pas où c'est, quoi. Regarde-moi bien, Audrey. Ça prend l'escalator. Et rien d'autre. C'est parti pour une expédition. Ah, c'est gratuit. C'est parti. Oh, alors déjà, c'est interactif. Ah ouais, non, c'est beau, hein. Ça, du coup, ça représente quoi, guide? Est-ce que j'ai une tête à savoir ce que ça représente? J'espérais, oui. Mais c'est très beau. C'est le roi Sejong, of course, qui a créé le Hunminjeongeum, soit le Hangul, soit l'alphabet coréen. À savoir, l'objectif, c'était quoi? C'était de faire en sorte que les paysans comme les nobles, puisque c'était relativement divisé dans ces deux catégories, puissent écrire de la même manière, avec la même facilité, le coréen. Parce que jusque-là, c'était le chinois qui était utilisé, et le chinois, c'est très très compliqué à écrire, enfin surtout à cette époque-là. Et en plus, les paysans, etc., n'avaient pas droit d'instruction, enfin c'était très compliqué. C'était réservé à la noblesse. Donc le roi Sejong, il a dit, j'en ai marre. Laissons la possibilité à ces gens de s'exprimer. Et il a créé l'alphabet coréen. Le Hangul. Je ne m'arrête plus dans ce périple, Audrey. C'est hyper triste parce que vous voyez, culturellement, j'essaie de m'enrichir. Mais je suis en train d'espérer qu'en fait ce musée soit court tellement j'en peux plus. Pour l'instant, j'ai été séduite par cette pièce parce qu'elle m'a mis 2 minutes à parcourir. Alors juste pour dire, si vous venez dans ce musée, pensez à moi quand vous affaire ici. C'est incroyable. À un moment, si c'était pas le musée pour nous, ça, c'est le musée pour qui? Français? Alors en fait, c'est le musée de l'alphabet français ou de l'alphabet coréen? C'est écrit qu'en français? Définitivement le musée pour les Français, quoi. Alors en effet, ce musée était rapide. Je pense qu'on a mis 30 minutes. Genre normalement il y a 2 salles et après c'est que des jeux pour enfants ou des cafés, voilà. Mais franchement pour finir c'est très bien. Du coup là on est on our way to go to eat. On s'est dit qu'il n'y avait pas d'heure minimum pour manger. Ça m'a beaucoup rassurée parce que je crève la dalle et il est 5h. J'aurais vraiment fait des escaliers toute cette journée. Oui, 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 oui. C'est parti, assieds-nous, assieds-nous. Cette fois, on ne prend pas les tteokbokki à 16 000 pour une personne, Audrey. Il a dit quoi? Qu'on fasse la commande au compteur. Voilà, c'est elle, notre traductrice du jour. Du coup, nous, on va prendre les lourdes tteokbokki et on va prendre du coca.
Ok, c'est l'eau à la bouche que nous allons commencer si ça ne t'embête pas avec ce flan aux œufs. Mmh. Ouais, je sais pas comment ils font, mais c'est trop bon. Je vais pleurer de joie. Regardez-moi bien, je vais chialer de joie. Oh là là. Oh my god. Oh my god. Oh là, je suis en train de finir la journée au café où j'étais ce matin. Il y a pas mal de monde, donc ce sera le seul extrait vidéo où je parle parce que j'ai pas envie de déranger. Et je vais actuellement faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir. Je vous laisse sur ces dernières images de cette journée bien chargée, comme vous avez pu le voir, en Corée du Sud. Bisous.